Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Cop Génération, ou Sergent Cop pour le trademark, le Mac de commerce, qui, parce que Cop, ça a l'air que ça appartient à une autre compagnie. Bon, en tout cas. Bon. Sergent Cop, c'est une figurine qui est sortie à peu près il y a 2 ans. Moi, je l'ai retrouvée dans un Winners une coupe de mois à 8$. Fait que je suis vraiment content de l'avoir acheté à bas prix. Bon. Ok, bon. Le mode véhicule est, honnêtement, c'est vraiment une représentation de ce qu'on voit dans. Je veux dire, c'est la suite logique de son mode terrestre dans G1. Parce que dans G1, c'est un mode cybertronien, qui est un pick-up cybertronien à peu près. Puis, à peu près comme Rodimus qui ont fait un mode alternatif terrestre dans le mode classique, ben lui, il fait pas exception. Fait que c'est un pick-up style de collection des. Je connais pas l'année, ok, mais je dirais un pick-up des années 60, mais remis au goût du jour, genre cybertronien en plus. Fait que, tu sais, c'est à peu près ça. Malheureusement, pas de couleur, c'est roux. Une belle couleur verte, pâle, qui rappelle ben Cop. Des phares qui rappellent, on dirait, un peu l'ancien temps. Mais sont bizarres, les phares. Je sais pas si vous les voyez, là, surtout celui de gauche, là. Je dirais des yeux quasiment, hein, avec des petits phares, des petits clignotants jaunes, pare-choc argenté, ça j'aime bien. Et un très beau signe autobo rouge. Honnêtement, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce signe-là au devant. Bon, l'autre côté, tank à gaz ici. Puis aussi, ce qui est vraiment cool, les portières ici, pour que ça forme le talon, ben les portières derrière, il peut fermer. Puis tu peux mettre... quelques accessoires, je dirais, là. Parce qu'il y a eu un accessoire qui se vendait à la troisième partie de la tête en forme de cigare, puis c'était un petit cube avec un petit tournevis, deux têtes, puis tu pouvais le mettre dessus. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Les éjections de gaz, là, en tout cas. Fait que, vu d'aussi d'entour la place pour mettre son shotgun, même le petit point ici qu'on. C'est vraiment, vraiment intelligent cette figurine-là. C'est, je veux dire, c'est pas toutes les figurines qui ont une place en dessous de leur véhicule ou dans leur véhicule pour se cacher, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Ça, celle-là, ça l'apprécie. On voit un peu. On voit la tête du bonhomme, le torse, les bras, mais ça, c'est pas plus grave que ça. C'est-à-dire, on sort comme ça. Fait que ça clipse bien, puis quand même, c'est un bout des jambes. Au début, je me demandais si ça servait à quoi, ça. Puis là, ça avait j'ai gossé un peu avec le shotgun, ça a fait « Ah, that's all », parce que, tu sais, moi, même si ça fait un an que j'écoute les revues des anglophones, puis Dead Side en avait fait une excellente, ben moi, je me souviens plus des détails comme ça, là. Puis les manuels de destruction, là, je les ouvre jamais, OK? Ils sont toujours pliés, là, je les ouvre jamais. Fait que c'est ça. Continuation, c'est une couleur un peu gris, mauve, plus gris, parce qu'il dirait que ça sort un peu mauve, mais avec la, tu sais, c'est quand même avec un petit gris foncé, vraiment cool. Les phares ici en plastique, transparent, puis bon, c'est le, on voit les vitres de côté, puis on voit que c'est quelque chose qui se plie, mais c'est pas plus grave que ça, petit signe de portière. Petit grillage. Vraiment, vraiment cool comme figurine, OK? Puis, je vais vous le comparer... non, avant, excusez-moi. On peut mettre... dernier détail du mode véhicule, les Pole Universe, où qu'on peut mettre une petite mitrailleuse de Fraxus et son shotgun. Puis honnêtement, là, j'adore sa redneck-titude. Je veux dire, excuse-moi, là, mais le... Tu sais, Cop, t'as pas besoin de Steel Force, là. C'est vraiment le shotgun qui sort sur le toit, puis tatar. En tout cas. Bon, on va ôter les accessoires. Bon. Je vais vous faire comparer à. Bon, comment vous demandez pourquoi Breakdown GTS? C'est la simple raison que Cop a été dans une bande dessinée de nom de War Within, puis le mode cybertronien ressemblait à Breakdown GTS. Puis cette figurine-là, ce repeint-là, a été faite en mémoire de ce Cop. Fait que c'est vraiment, vraiment... Moi,
Je veux dire, Breakdown GTA House, là, il a passé à ça. Une chance que je sais ça, là, parce qu'il a passé à ça d'être vendu, parce que, tu sais, du Cybertron, c'est du Cybertron, puis ça, c'est vraiment un véhicule cybertronien, là, parce que la tête, elle ressemble pas bien, mais en tout cas, je vais vous comparer le mode robot tout à l'heure. Mais c'est ça, tu sais, c'est mode cybertronien, ça ressemble beaucoup à ça. Les personnes qui ont lu les bandes dessinées, ils sont d'accord avec moi, je l'espère. Bon, c'est ça. Fait que vraiment cool. Je vous comparais bien avec Rodimus, mais il est tellement magané, puis il a tellement passé. Je veux dire, c'est un de mes jouets les plus maganés que je pense que j'ai un peu honte de vous le faire comparer. Okay? Bon, je vais commencer la transformation des pieds, bien entendu. C'est simple. Les portières, on les clipse 45 degrés. On clipse aussi. On tourne aussi les talons. Bon. On a déjà nos pattes. Okay, bon, vu de derrière, okay, on sépare un peu la figurine. Ça, on essaie de ça, c'est bien compliqué, là. Mais le déclipse de ces maudits bras sont compliqués en simonac. Sérieusement, là, désolé pour le sac, là, mais sacrément, ils sont compliqués. Bon, déjà, comme ça, on les replie comme ça en attendant. Bon, on a déjà quelque chose de bien. Bon, ici c'est lousse là. Fait que. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Ici, les genoux, OK? Ça, cette pièce-là, on la tourne vers nous et on la clipse comme ça. OK? Pour que reprenne cette pièce-là et l'on la rabaisse comme ça. OK? Même chose de l'autre bord. Comme ça. Comme ça. Et on. Ça y est. Ça, cette pièce-là a failli, je vous mentirais pas, est déjà, pour deux, trois transformations là, que j'ai faites de cette figurine, est déjà lousse. Ça paraît qu'elle a revolé, OK? Bon, en tout cas, c'est ça. Alors, on en retourne d'abord, et ce qu'on fait, c'est... Bon. OK. Bon, comment on fait ça? Désolé, ça fait un bout que j'ai pas transformé cette figurine-là, puis... Je sais, ok, c'est simple, ok? On détache ici cette partie du pare-choc, on replie ça vers le bas, et là, ça va se faire tout seul, ok? Ça, cette pièce-là, on la tourne comme ça, on la pousse, et comme ça. Et ça fait comme ça, ok? Bon, là, vous voyez pas de l'autre point de vue, mais là, on remet sa tête à place, à bonne place, et... Là, la seule chose qui reste à faire, ce sont les bras. Fait que les bras, c'est ben pas bien ben compliqué. Bon, on s'arrange. Puis ça, on tourne 180 degrés. Et non 360. Là, malheureusement, il y a quelque chose. Le poing est coincé. Bon, comme ça, comme ça. Et même chose l'autre bord. Là, on tourne le poing et... Enfin. Bon, là, c'est pas encore. C'est. Bon. Là. Bon. Puis là, les pieds. Les. Voyons, les épaules, on les met comme ça. On les lève le plus haut qu'on peut. Et on rabaisse les. Non, les roues, on les met comme ça. OK. Et encore la tête. La tête, elle a toujours cette faculté de descendre. Fait que ça gosse. T'sais, sérieusement, moi, honnêtement, la maudite tête. Bon, voici enfin notre cop génération. OK? Bon, description de l'arme. L'arme, c'est bien entendu un 12, ce qu'on appelle un 12. Ici, ce que j'adore, on peut mettre des. C'est une place pour mettre les balles, bien entendu. En tout cas, je crois, là, je suis pas fan des 12, là, je suis pas à cause que je viens du Québec, que je suis un bûcheron, là. En tout cas, bon, peut-être ici, une petite vise ou quelque chose du genre. En tout cas, moi, j'adore vraiment cette arme-là. Je veux dire, Cop, pour moi, c'est un redneck. Cop, là, il vient du sud des États-Unis. Cop, là, c'est les frères et ses sœurs, là, c'est les rednecks... des NASCAR, des Wakers dans Dark of the Moon. Là. Fait que, c'est vraiment pour moi, là, honnêtement, je trouve que c'est bien la représentation de ce personnage-là. Le redneck qui raconte des histoires avec sa redneck-titude. Mais bon,
Bon, ça, détaille avec son 12, des petites lignes. C'est vraiment, vraiment bien détaillé son 12. Ok, sérieux, j'aime beaucoup cette arme-là. Bien entendu, c'est pas l'arme de G1. Mais honnêtement, là, je trouve que ça lui va super bien. Ok, sérieux. J'ignore encore si je vais acheter la tête de ce cop-là. Parce que cop, pour moi, il y a un cigare. Puis, à un moment donné, quelqu'un avait description, parce que son cigare aide à mieux respirer. Ben, tu sais, un robot, ça respire pas. Mais ça aide à, je sais pas, à mieux se sentir bien. Je me souviens plus du terme exact, mais j'avais ri quand même de la manière. Tu sais, c'est comme son cigare, il est là. Puis, il y a des chances que je la jette, ok? Bon, sa place est bien entendu comme ça. Et on a notre sergent cop armé jusqu'au bout. Bon, la description du personnage, ok? Juste. Remarquez comment la tête est magnifique, ok? Vraiment, là, une tête de vieillard, c'est, je dirais, limite, ça ressemble beaucoup à du Movieverse, là, ben, t'sais, avec belle imagination, là. Mais vraiment, là, puis en plus, c'est du light piping transparent, fait que vraiment, c'est. J'adore, ok? Sérieusement, là, c'est. Malheureusement, j'ai pas de lampe de poche, là, mais bon. Bien entendu, le signe Autobo qui était sur le torse, ben, il est ici. Puis ce que j'aime de cette figurine-là, là, vraiment, là, le torse, là, ça, c'est pas des fausses pièces. Quand on a vu le smokescreen, tout le monde a vu la nouvelle pièce immanquable qui est vraiment cute, Smokescreen Prime, ok? Malheureusement, là, il a pas réussi à mettre. C'est un faux plastron, là. Comme dirait Raiden, là, c'est un faux torse, ok? Puis. La manière dont c'est fait, là, c'est lui, là, c'est vraiment pas un faux plastron. C'est vraiment le devant de son camion, puis c'est la pièce qui plie. Ça, là, c'est de l'ingéniosité des films, ok? Pas des films, excusez, mais l'ingéniosité, là, des ingénieurs chez Hasbro. Je sais pas si on peut appeler ça des ingénieurs, là, parce que des fois, ils nous donnent tellement, des fois, des figurines basées de la marde, là. Désolé pour le mot, là. Mais là, là, des fois, là, ils réussissent, ok? Puis je trouve, là, je le vois, là, ils l'ont réussi, son plastron. Vraiment, là, cop, là, ça, c'est vraiment la manière dont c'est fait dans G1, c'est que son torse, tu sais, son devant de camion, ben, il se transforme son torse, puis là, ils ont décidé de rendre un hommage directement au G1. Et ça, là, vraiment merveilleux. Les couleurs, ok? Moi, ce que j'aime, c'est aussi les couleurs foncées, ok? Il y a souvent des figurines à 3-4 couleurs. Bon, les pièces transparentes, une petite boucle orange que je sais pas pourquoi sont là. Ici sur les bras, une petite ligne orange. Vraiment. Puis sur les genoux, orange. Fait que tu sais, c'est. J'ignore c'est quoi la. Si en version japonaise, ils l'ont mis, les bouts orange, là. Mais en tout cas, moi j'apprécie vraiment cette figurine-là. Là. Bon, il y a. Vous voyez tout de suite le point négatif, son énorme backpack il se forme. Mais honnêtement, c'est ça le point négatif de cette figurine. C'est rien que ça. J'ai rien à dire d'autre là, à part ça, ok? Ça, là, ça aurait dû être plus un petit peu plus plié vers le bas, mais tu sais, c'est ça les conséquences de quand tu fais un maudit beau torse avec des. Excusez. C'est pas des faux torses, c'est pas un faux torse, fait que c'est ça la conséquence, fait que la manière dont c'est fait, c'est. En plus, c'est un vide, c'est, fait que c'est vraiment. C'est ça le seul point négatif, ok? Puis la manière aussi, c'est que la tête n'aurait pas de tourner, basée sur le bas, là. Mais bon, ce qui est cool aussi, c'est sa petite visière, ici, qui est un. Je crois que c'est un hommage aussi à War Waiting, là, parce que sa visière était là. En tout cas. Côté aussi, autre détail, je vais montrer la tête, tout ça, les genoux, ah, les pieds. Des pieds, ben correct, un petit peu d'argent, c'est vraiment cool. Faut aussi remarquer aussi le. Aussi, bon, je sais que je trippe sur le torse, là, mais ici, là, c'est vraiment cool, tu sais, c'est. La manière dont c'est fait, okay, je dirais pas qu'il y a des. Il est féminin, là, mais c'est vraiment cool la manière dont les pièces se forment, là. Tu sais, c'est comme s'il dirait un peu son grillage de camion ici. Puis ici, c'est vraiment, tu sais, c'est symétrique, c'est beau. Puis ça fait une courbe, tu sais. Il n'y a pas de pièce qui arrive là. Peut-être on voit, c'est sûr, le derrière ici, on voit un peu, là. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment bien fait, là. Sérieux, là. Cop est une version féminine. Tu sais, c'est. Mais non, je te niaise. C'est un redneck féminin. Mais non. Bon. Côté articulation, bien entendu.
360 degrés, mais celle-là, 360 degrés par contre, mais il faut qu'on la déplie un peu, tu sais. Bon, les bras, aussi les mains, ça par contre, les faut que tu tournes ça. Ici aussi, je dirais, le poignet, ça tourne, et même chose de l'autre bord. Pas de, d'articulation au bas du torse, mais comme ça. Je suis sûr qu'on peut mettre une passe assez géniale comme ça. Comme ça. On va dire comme ça. Mais vraiment, là, c'est une belle figurine articulée aussi. L'articulation de même pour former des passes comme ça. Tu sais, c'est bien bizarre, mais tout. Comme ça. Bon. Tain. Bon. Comme ça. Je vais vous comparer, bien entendu, à celui que je vous ai comparé tout à l'heure. Cop Breakdown GTA, c'est non Cop. Bon, comme on voit, moi je trouve que la tête ressemble un peu à une sorte de couronne, des cornes sur le côté. Mais à part de ça, je veux dire, à part la couleur, là, puis un peu, je remarque aussi les pieds qui sont triangulaires, tu sais, le même genre de pied, mais tu sais, faut pas oublier que ça c'est juste un putain de repin, là. Désolé pour le mot, mais putain de repin, là. Puis aussi, il y a un backpack. T'sais, en tout cas, fait que, tu sais, je vous le compare avec une figurine vraiment cool, tu sais. Les roues ici, tu sais. Sérieux, cette figurine-là, là, il devrait la ressortir avec tête de cop, couleur de même, là. Ça serait assez beau, je l'achèterais. Tu sais, même 7 ans après, non, excusez, en 2012, là, 6 ans après la fin de Cybertron, il nous sort encore des repeints de Cybertron. Alors, revenez-en, Hasbro, là. Arrêtez d'exploiter, là. Alors, sortez-nous dans des classiques. Bon. Fait que, conclusion, ben avant de conclure, je vais savoir si ça, c'est un Power Universe. That's it. Vous voulez un Power Universe? En voici un. That's it. Bon. Fait que, sur ça, moi, je vous conseille d'acheter-le. Vraiment, il en vaut la peine. Il en vaut la peine d'acheter à plein prix, puis vraiment une très belle figurine. J'ai vu que le Sergent Cop allait revendre en Prime. Une couple de Français l'ont déjà. Moi, je ne le jetterai pas sûrement, parce que ce qui me dérange de Sergent Cop Prime, c'est le même visage, version Iron Man, mais vert. De mon autre visage, je vais te l'acheter. Je vais te l'acheter avec plaisir. Mais je me demande si j'achète l'accessoire de... Tu sais, je veux dire qu'il va avec celle-là, puis je la mets sur la tête d'Iron Knight Prime. Comment ça va ressembler? En tout cas, une autre histoire, peut-être pas. L'avenir dira. Fait que sur ça, Sergent Cop vous fait un ordre, et comme ça, il vous donne un salut de sergent. Fait que à la prochaine, et la prochaine va sûrement être Thundercracker Classic. Merci beaucoup. Génération, je veux dire. À plus.